Yo tout le monde, c'est Chubb. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle série Civilization 5. Alors merci d'avoir été patient pendant ces petites semaines de pause. Ça m'a fait du bien, on va pouvoir reprendre. Tout simplement pouvoir reprendre maintenant nos bonnes habitudes. Alors je joue la France, voilà, quand même, faut pas déconner. Il y a 10 joueurs, il y a 10 joueurs bon, c'est en gros ce qu'il faut savoir, hein. Type de carte aléatoire, donc je sais pas du tout où est-ce que c'est. Mais bon, j'ai déjà du vin, du blé, de l'or, de l'ivoire, c'est pas mal en vrai. Et j'ai exploré des ruines qui m'ont permis d'avoir des lanciers, ça c'est bien aussi. On a des belles montagnes à l'est, ça nous permettra de défendre plus facilement nos terres. Là, il y a un fleuve. Le fleuve, il est parfait. Il y a même des pierres précieuses. Très certainement, fonder plusieurs villes le long de ce fleuve, hein, si je peux. Sachant qu'il remonte en plus, hein. Beaucoup de pierres précieuses. Une petite ville par là, hein, ça peut être pas mal. Genre là. On va voir. Et des bananes au bout de ce fleuve. Très bien. Allez, on va pas. Oh! Des bananes et du marbre, alors ça peut être vraiment pas mal, le marbre, c'est vraiment génial. On va essayer de faire du marbre. On va essayer de prendre le marbre, je veux dire. On a reçu de l'or, c'est dommage, j'aurais préféré autre chose, mais bon. On fait avec ce qu'on a. Ok, la toundra au nord. C'est pas génial ça. On va récupérer les ruines antiques. De la montagne, ok. De copains, ouais, d'accord, ouais, ça m'a donné les positions de copains barbares, c'est pas génial. C'est mieux que rien, mais bon. On pourra faire le... Ah oui. Est-ce qu'on s'en va pas sur une petite île? Non, quand même. Non, apparemment non. Ok, ça c'est bien, encore des ruines. Beaucoup de vin, dis donc, hein. On va pouvoir faire la boisson là. Quelques survivants, ça c'est parfait. Hein. Ouais, vraiment beaucoup de vin. Voilà, Paris, il y a déjà 3 habitants. C'est impeccable. Petit lac, ouais. Voilà, encore une ruine antique, c'est parfait. Oh. C'est génial. Beaucoup de richesses, hein, sur. Alors, je veux dire cette île, même si je suis pas sûr que c'en est une, s'en soit une. Je vais faire le grenier avant, là, je n'ai pas le choix. Et je vais partir sur maçonnerie pour faire les pyramides. Pyramides qui vont à un voisin. Les Mayas. Très bien. Voilà, qu'est-ce que je vais découvrir? De la culture, très bien. Pourquoi pas? J'aurais préféré de la foi, mais bon. On va pas forcément ce qu'on veut. On va prendre la doctrine honneur. Voilà. Au cas où. Enfin, surtout pour casser du barbare. Zanzibar, qu'on est les premiers à découvrir. C'est très très bien également, ça. Ça nous a donné 30 d'or. Eh oui. Eh oui. Palenque qui est en plein jungle. C'est étonnant. C'est étonnant, Dieu. Ok, ouais. Un camp barbare. Et là, ça a l'air d'être la mer. Donc, avec eux, je vais aller. Voilà. Bon, bah, sur la colline. Et je vais aller. Je vais vite me remettre sur l'autre colline. Voilà. Pas l'air très très grand. On va adopter, tradition dans un premier temps. On changera, enfin on changera, on fera la liberté un petit peu après.
Ok, une map qui a l'air très en hauteur. Enfin, du moins, un continent qui a l'air très en hauteur. On fait l'hôtel, bien évidemment. Le mieux, ce serait aussi de faire un colon juste après l'hôtel. Continuons d'explorer par là. Ouf. Beaucoup de barbares là. S'ils m'attaquent les deux en même temps, je serais pas spécialement bien. Ok, bon là c'est bête, hein, je vais dans une péninsule. C'est pas mon avantage, mais bon. Ok, bon bah là je me suis fait attaquer, mais bon ils ont perdu, beaucoup beaucoup. Une sorte de petit appendice là, c'est intéressant. Appendice, mais purée, deux teintures, du poisson, du blé. Pour l'instant, on s'en fiche, on va faire vite un colon. On va continuer l'exploration. Ah, une cité-état encore. Ok. Auto-aristocratie. Ça nous permettra de faire plus vite des monuments de type, bah, par exemple, ah, tiens, Babylone. Les pyramides, voilà, je vais y arriver. La Monaco. Qui est au nord cette fois. Et ouais, ça a l'air d'être une île assez assez grande, mais on va voir. Hop. Encore du vent, c'est fou ça. Au moment on a des montagnes. Voilà. Ok. Pas de suite, on va aller se débarrasser du camp barbare là-bas. Ah, ça c'est marrant ça. Monaco, Monaco, Monaco. Pas de suite. Par contre, Zanzibar, il me semble que. Ouais, ils veulent attaquer là. Enfin, ils veulent qu'on se débarrasse de ce camp, donc c'est ce qu'on va faire. Peu d'encens ici. Ok, Babylone qui a découvert le sud apparemment, mais qui se fait un peu victimiser. Ah, une autre cité est là-bas. Très bien. Là, il nous demande de se débarrasser de ce campement, mais bon, pas de suite. Voilà. Voilà. Premier contact avec Palama. Et on va faire d'exploration autour. Voilà. Ah bah, voilà, j'ai atteint le sud. on part de suite sur l'écriture, parce qu'à chaque fois ils sont embêtants avec, avec leur demande d'ambassade. Ils sont, mais t'as pas l'écriture, du coup tu peux pas faire d'ambassade. Ah bon, enfin bref. Ils sont mercantiles, donc ils vont me donner du bonheur. Pas fou, pas fameux, hein, vraiment pas fameux. Ok, super, ça pop. Bon, ils vont être obligés de faire le tour, ils ont Zibar pour les attaquer, c'est pas mal. J'aimerais bien qu'ils fassent apparaître un ouvrier, ils ont Zibar, comme ça je prends l'ouvrier juste avant. J'ai un colon, pourquoi je peux pas. Ouais, en vrai ouais, là-bas, hop. Un petit deuxième par là-bas. On fera comme si on n'a pas vu Palenque. Hein, désolé, je n'ouvrais pas les yeux. Oh, je passe à côté, vous savez. C'est ouf. Un tour suivant, non, hop.
attaque là, la petite brute. On se régénère. Ça, ils seront d'autant plus contents. Un fondé Orléans, si je me trompe pas. Non. Comme ça, en plus, ça nous fait une ville côtière. Oui, Orléans, ville côtière, très connue dans le domaine. On va se débarrasser, hop, très vite de cette unité. On fait un petit serment de protection. Ouais, le but est de bien s'entendre avec Zanzibar. Orléans peut attaquer un ennemi, en plus sur un navire. Fondons un panthéon, avec joie, avec grande joie. Y a pas un truc avec le vin là, parce que... Là, on va pas se mentir, les gars. Alors, ouais. Culture pour toutes les cases de vin et d'encens. Culture et foi. Ah ouais, foi. Allez. Exploiter, je suppose. Non, même pas de base. C'est fort. Voilà. Donc, je vais prendre cette unité que je vais envoyer au nord. Eux, ils sont bloqués, voilà, comme d'hab. Hop, on va les faire jouer manuellement. On va vite adopter la doctrine liberté, voilà. Là, dans 6 tours, j'ai mon colon qui est produit. Et j'irai à fond sur... comment ça s'appelle les grandes pyramides, les pyramides de Gizeh. Enfin, les pyramides. Ah, ce serait bien qu'ils se fassent prendre par les barbares. Orléans et Paris peuvent attaquer les ennemis, purée. Je sais pas d'où il vient lui. Ah, il doit venir de là-bas, je suppose. Je sais pas. Il a fait 10 fois le tour, mais bon. Ok. Explorons. Faire la route. Ça pourra faire des routes. En plus l'élevage, oui, c'est pas mal avec ce que j'ai. De marée par là. Qu'est-ce que je vais en faire? Non, peut-être pas ici non plus. Mais ce sera là. Je vais quand même les escorter, on sait jamais, sur un malentendu. Allez, on se dépêche de faire les pyramides, les amis. Oh la vache, le vin qu'il y a, c'est... c'est génial à quel point c'est énorme. Zanzibar qui me donne du bonheur, qui m'en donnera bientôt plus. On va, c'est pas très grave. Ok. Ok, c'est bon pour l'escorte. Hop, remontez. Bien joué les escort boys. Oui. On va découvrir un peu le contour de Palenque. En Italie, on reste toujours amis. Ça suffira. Voilà, on va fonder. C'est quoi la deuxième ville? Lyon. Lyon. Petit monument. Voilà. On a découvert l'élevage. C'est bien. Qu'est-ce que tu me veux, le Maya? Ah, dégage. N'importe quoi. Comme si c'était à lui partout. Je vais essayer de faire tenir ce camp barbare, on sait jamais. Hein. S'ils veulent envoyer des...
Des colons, bah ils viendront chez moi. On va juste se faire régénérer un peu. Hop. Que tout avant d'attaquer. De toute façon, après ils seront bloqués par la montagne. Putain, je me tenterais bien dans le mieux. Ce sera le grenier quand même. Oh la foi. Toute la foi. J'ai 3 de foi, c'est énorme. Allez, on va mettre en exploration auto. Ah, des archers en plus. C'est impeccable. Alors. Voilà. J'hésite à aller prendre Palenque direct, ainsi que Babylone et Akkad, pendant que je n'ai pas découvert d'autres peuples. Ça peut être très très intéressant. Comme ça, j'aurai pas de bonus, pas de malus de bellicisme, etc. Okay, Monaco, on a mis avec eux, c'est bien cultivé. La République, ça me donnait des bonus de production. Donc là, je finis les monuments et je recrute direct des unités. Après la roue, le mieux ce serait que je fasse les mathématiques pour avoir des catapultes. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Ça me prend un petit peu de retard au début, mais si je peux me permettre d'avoir là tout ce qui ressemble à ce continent île, ça serait vraiment très très bien. On accepte, hein, de toute façon. On s'en care. On s'en fiche, comme dirait l'autre. Ok. Bon, apparemment, eux, ils vont vouloir m'attaquer plus qu'autre chose. C'est pas grave, je vais envoyer les lanciers. S'ils veulent bien. Cette tour avant les pyramides, allez, allez. Pas mal là, niveau doctrine déjà. Vraiment pas mal du tout. Faire des archers. Ça nous servira. On va faire vite les mathématiques. Voilà, en plus on aura un tribunal. Parfait. On pourra faire les tribunaux. Ok, ils sont en train de découvrir là, ce qu'il y a là-bas. En espérant qu'il n'y ait pas un petit bras de terre là, qui me fasse découvrir. Voilà, c'est parfait. Ok, donc on est sur une île continent, c'est très bien. Ça me va. Ok, air classique, air classique. On a les pyramides, impeccable. Faire beaucoup d'archers, ouais. Déplacer les unités empilées. Donc on va faire ça. Ah d'accord, on va faire tout ce qui peut nous donner. Ah, je peux pas encore. Je vais dire tout ce qui peut nous donner un peu de bonheur, mais apparemment c'est pas encore possible. On va se régénérer. Des chevaux, c'est bien. Qu'est-ce que je peux faire là? Oui. On a du blé, hein. On a pas mal de blé en plus. Voilà, ça me donnera du bonheur impeccable. Voilà, 3 unités d'archers, ça devrait suffire. Même faire des guerriers là, 2 unités d'archers, ça devrait être pas mal. La Babylone qui sera un peu plus dure parce qu'il y aura les murs de Babylone, très certainement, plus à la unité spéciale.
Bon, déjà, si j'arrive à prendre Palenque, Tikal, il y a quoi? Ouais, pourquoi pas. Citoyenneté, ouais, on va vraiment accélérer à fond notre nos prod. Production. Ok. Faire moulin en haut, voilà le temps que j'ai les catapultes. Faisons le champ de blé. On ira ensuite sur les pierres précieuses. Va se tenter la grande bibliothèque ici. Hein. J'ai déjà 80. C'est juste énorme. Voilà. Là, on va développer beaucoup, ouais, beaucoup d'habitants, hein, ça augmente assez vite. Pas trop mal niveau population, je suis dans la moyenne. En territoire, en PNB, par contre, je suis bien premier. Récolte, je suis pas encore très haut. Bon, ça, c'est parce que j'ai pas développé mes territoires, bien évidemment, entre autres. Regardez là tout ça que je peux prendre. On va mettre une petite ville là par là entre les deux, ce serait pas mal en vrai. Voilà. Là ça va construire tranquillement. Tours avant la pierre précieuse, très très bien. Mathématiques, 2 tours. On a 43 tours avant la grande bibliothèque, ça risque d'être compliqué quand même. Faut pas se mentir, les mecs, ça risque d'être très compliqué. Je veux bien qu'il faut couper du bois, enfin, qu'il faut couper la forêt là, ici, mais. Pas sûr que ça nous rapporte non plus 42 tours. Oui, parce que oui, quand on coupe une forêt, ça nous rapporte de la production brute à la ville. Okay. Construction catapulte, voilà. Et ici, trop long. Moulin haut, voilà. Ça, c'est dit. On va faire la monnaie. J'hésite entre la monnaie et partir sur théologie. Faire la monnaie pour l'instant. Parce que là on perd un peu d'argent. J'aimerais voir. Combien ça coûte une catapulte? 520, ok, ça me va. C'est pas excessif, c'est pas donné, mais c'est pas excessif. Oh, de l'ivoire, ouais, mais il me faut piège. Ouais, il me faut piège, on va faire piège avant. Permettra d'avoir une ressource supplémentaire de luxe, hein, donc plus de bonheur. Ok, Palenque, ils sont pas défendus plus que ça. Allez, c'est un petit jeu contre la montre là. Nomshoe Dunedoor a construit Stonehenge. Eh ben, juste à aller prendre les villes de Nomshoe Dunedoor. Ouais, ça va pas rapporter 38. Je suis même pas sûr. Une forêt, mais je n'ai même pas vu ce. Bon. Ok. Orléans a grandi. Ok, Panthéon fondé, Babylone. Ouais. Combien de tours avant? Un tour. Allez, on va recruter et on va vite aller prendre nos. Enfin, les villes. Pas nos villes, du coup, mais les villes. Je vais faire le temple d'Artémis ici. Hein. Le guerrier, on va le faire attendre. Et toi, tu vas aller
pas ouf, hein. Pas ouf les positionnements. Tu vas aller là. Là on est comme ça, là on est comme ça. Ok. Ce que je vais faire, c'est avec les guerriers, je vais aller là. Avec eux, je vais aller là. Avec eux, je vais aller là-bas, c'est là. Voilà, quelques tours de déplacement. On attend et on a dit monnaie. Oui, bon allez, avance. Voilà, on va pouvoir prendre de l'ivoire. Ces fermes de blé qui me rapportent excessivement de nourriture, c'est parfait. On va acheter la petite catapulte, comme prévu. J'ai un ouvrier qui ne fait rien. Allez, bon, on va te mettre à la tâche. Voilà. Pas mal de chevaux, profitez-en. Ça apporte de la production, de la nourriture, c'est parfait. Voilà, tour suivant. On va attendre cette catapulte et le tour prochain, on s'approche et on attaque. Ah, j'ai peut-être le tour prochain était peut-être un tour un peu trop tôt. Exactement, tu as tout compris. Ah bon, ils attaquent bien évidemment la catapulte en premier. Hein. Ils sont pas bêtes non plus. Qu'est-ce que je fais? Je les mets là. Je les mets là. Ah, ils ont un propulseur Maya. Zut, sniff. Aïe, ça risque de faire mal, ça risque d'être plus compliqué que prévu. Je vais installer l'unité de siège. Espérons que ces propulseurs ne me fassent pas trop mal. Ouais, ils attaquent là-bas, là-bas. C'est pas grave. Les deux archers, on les met en retranchement. Celui-là également. Et voilà, on va faire comme ça. Voilà, parfait. Ça devrait tomber petit à petit. Je vais la ramener là de suite quand même. Parce que mes unités d'archers, voilà, prennent cher. Surtout là, ils ont focus la même. C'est-à-dire, ils ont tapé sur la même. Ça m'a fait extrêmement mal. On va les laisser. On va attendre. On va les mettre en état d'alerte seulement. 8 tours, ah la vache. C'est pas grave, ça m'aura donné de l'argent. Je pourrais dépenser pour autre chose. Et on prend Palenque. On annexe la ville. Voilà. Lyon. Ok, très bien. On va faire les jardins suspendus maintenant. On va faire un petit tour. Le tribunal ici, on va les prendre Tikal. Voilà, on va régénérer un petit peu bien évidemment avant. Un palenque qui rentre en trouble à quelques tours, mais ça devrait être réglé rapidement. Ok, barrage, on se retranche. Voilà. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on a un peu d'argent pour au cas où sortir une unité en urgence à Lyon. Faisons les hôtels en plus. On refuse le traité de paix, bien évidemment. On va bien développer Lyon. Voilà, Paris étant plutôt bien développé. Or, bon, bien évidemment,
Or pour le vin. Ok, les catapultes, elles sont régènes. Ça, c'est régène. Ça, direction. Ça, direction. Voilà. Les archers seront prêts le tour prochain. Alors, on va y envoyer nos unités corps à corps quand même en premier, faut pas déconner. Tours le tribunal, oh, c'est long. C'est un sacré gros tribunal, hein, je crois, hein, quand même. Faire les bibliothèques, hein, on va pas se mettre en retard non plus niveau niveau techno. Enfin, ouais, si. Oh non. Bon. Un pays longtemps en plus. Ah, ouais. Bon, c'est pas grave. Hop, allez, on s'approche. Allez, on s'approche, Julie. Bon, allez, partons sur le mausolée. Hein, c'est... Ouais, si tu veux. Ouh, il a pris cher. Il a pris vraiment cher. Hein. Heureusement. Ah. Ah, il y a beaucoup de Maya dans le coin là d'un coup. Il a su répondre. Je me demande si ça va passer. Là, j'ai peur que ça soit compliqué. Sauf si je rush la ville. Sauf si j'envoie tout sur la ville, là ça peut passer. Les archers, on va les mettre là. Alors les manciers, j'arrête. Je veux pas jouer ça. Protéger nos catapultes quand même. Toujours pas le vin. Ah ouais. Peut-être commencer nos routes, hein, maintenant. À commencer les routes. Hein. Ça peut être utile. Allez, Tikal. Tikal, Tikal, Tikal. Ça devrait aller. Non sans perte, hein, mais ça devrait passer. Ah, zut. Ça dépendra du focus qu'ils vont faire. On va faire, calendrier, il serait temps. Ça risque d'être compliqué là ce tour là. Ça jouait pas grand chose. C'est démarré là, c'est-à-dire que je peux pas. Ouais, c'est ça. Ok, on va s'avancer. Précision. Ça passe. Voilà, il n'y a plus de Maya. Et on annexe. Oui, voilà. On a fait un bon travail là jusque-là. Voilà, bon, forcément Babylone qui n'est pas content. C'est pas grave du tout. On va promouvoir les unités. Voilà. Voilà. Les déployer comme il faut quand même. On est dans le malheur, quel dommage. Ça, je vois pas grand chose. À Lyon, je vais acheter un ouvrier. Lyon crie famine, purée, pourtant j'arrête pas de leur donner de la bouffe quoi. Lyon, ils ont des champs, ils ont du blé et tout, mais ils crient famine. Je sais pas trop pourquoi. Ok, là je vais vite aller. De la teinture. J'ai pas eu de la teinture. Ah, y'a rien ce tour là. Ah, oh, c'est moche. Bah, Lyon avec eux, du coup, je vais faire une route vers Paris. Hein. Une sacrée route, hein, mine de rien. Ça va me coûter cher. Ça va me coûter très cher cette route. Tant que j'ai pas le Machu Picchu. Que je ferai à Paris d'ailleurs, ça me coûtera cher. Un prophète illustre, c'est très très bien ça. Un prophète illustre, hop, merci. Voilà, là on se déploie, on fonde. Bon, c'était catholicisme hein, de base, je crois, donc on va faire catholicisme à Paris. Une pagode ? Il y a les pagodes, parfait. C'est impeccable. Bon, 56 tours, ça c'est long. Très long.
voilà, des points un petit peu dans le doute. On part très très vite sur Machu Picchu. On va attendre que les tribunaux soient finis et on continuera notre route vers le sud. Le mausolée était construit dans un pays lointain, pas de chance, ça a pas dû jouer à grand chose encore. On va faire tout ce qu'il faut. Orléans, on peut attaquer un ennemi, ok. On va faire tout ce qu'il faut pour 1 augmenter notre bonheur et 2 faire les routes. Et on crée encore famine, c'est dingue ça. Je vais juste voir si. Et encore, encore. Je vais les raser le plus rapidement possible. J'avais totalement zappé. Faut que je m'en occupe. Ça devrait passer avec une unité d'éclaireur. Faire un cirque. Un peu de morale. Ça fera pas de mal. On va encore acheter un ouvrier d'ailleurs. Là j'y pense. Mais si on a de quoi faire, ce serait pas mal. On va aller sur le marbre. Encore une unité, une ressource de luxe. Allez, on en finit avec eux. Pas qui réclament de la truffe. Rien de ça, purée, ils ont des goûts de luxe, les Mayas. Hein. Ok, on est bien niveau moral. Bonheur, bonheur. Niveau 2, bonheur. Ah, c'est du bonheur, sursive. Et on n'a pas de vin encore. Hein. Tu m'étonnes, ils sont pas bien, ils ont pas de vin, les pauvres. Ils sont en 470 avant Jésus-Christ, ils ont pas de vin. Dis-moi les gars, tu nous as abandonnés là. Napoléon, tu nous abandonnes. Il est où notre vin? Du pain et du vin. Hôtel de la Monnaie, oh, moins 11 par tour. Alors, on voit que les routes là sont en construction. Parce que c'est picote. Heureusement, ils sont rapides à faire leur route. Hein, une fois que ce sera relié à la capitale, ça coûtera moins cher. Peut-être pas explorer. On va le laisser là. Ah bah non, parce que quand j'aurai les technologies pour traverser l'océan, il faudra que j'aille sur mes territoires pour que ça se prenne en compte. Donc. Voilà. Allez, faisons du vin. J'ai plein de cases de vin à faire. Plus merveilleux au monde. Oh, je suis merveilleux. On a un peuple merveilleux, c'est parfait. On va refaire de la catapulte. Voilà, vous savez pourquoi. On va aller sur Babylone. On va sûrement y aller en deux fois d'ailleurs, hein, parce que ça risque d'être quand même légèrement compliqué. On va faire une route vers Tikal. Ah, on va faire un camp. C'est vrai qu'ils meurent de faim, les pauvres. On va faire la route vers Tikal, voilà, avec eux plutôt. On finit la route vers Palenque. Impeccable. Et ici, un petit cirque, c'est vrai. Connexion urbaine établie. Impeccable. Voilà, faisons du vin. Orléans, du coup, est relié à la capitale. Bientôt, j'aurai Lyon et Palenque relié à la capitale. Religion fondée. Babylone. Oh, c'est pas vrai, ça. Du coup, oubliez ça, Lyon, ils ont de la bouffe, ça. Hein, ça envoie. Hein, ça, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Population augmentée à Tikal. Ah bah c'est très bien ça. C'est très très bien tout ça. Moulin à eau. Ouais. Ça augmentera la production, c'est bien. À Panama. On va les aider, hein.
Ouais, bon, bah maintenant, faisons des fermes. Là, j'irai exploiter cette forêt pour le Machu Picchu. Qu'est-ce qu'ils font? Non, la colonie a perdu sa capitale. Ah, je suis pas le seul, apparemment. Je vais lui envoyer des unités à Panama d'ailleurs. Faire un don, offrir une unité. Je vais offrir celle-là. Voilà. On fait une petite caravane à Paris en attendant le Machu Picchu. C'est vrai que j'ai pas les ponts. Donc comme ça en argent on est bien. Voilà. Ah, peut-être pas le tour de suite. Parce que bon, il n'y a pas de. Je suis pas en train de faire le Machu Picchu. Ce sera le tour prochain du coup. Hein. Déjà exploiter le vin là-bas, parfait. Très bien, j'ai les guildes qui sont terminées. Qu'est-ce que je vais faire? Faire la théologie, hein, c'est pas mal. Théologie ou imprimerie? Ouais, imprimerie. Il faudra faire des colisées, ça augmentera le bonheur. Impeccable. S'ils sont pas rapides. Allez, faisons encore une catapulte. Voilà. Ça, on sera bien au niveau catapulte. Voilà ce qu'il faut. Ça, c'est bien. Ça diminue le nombre de doctrines, enfin de cultures que j'ai à avoir pour l'augmentation. Hein. Enfin, pour monter d'un niveau de doctrine. Ah, Lyon, ils sont bien développés en vrai. Hein. Purée. Allez, allons chercher du vin. Machu Picchu. Caravane avec. Qui c'est qui voulait? Monaco, Zanzibar, Zanzibar, Monaco. Voilà, on va bien s'entendre avec Monaco qui est. Qui est cultivé. On a de la culture. Ça se développe bien, hein. Ça se développe même très bien. Voilà. Allez, on va faire produire des unités. On va aller là-bas d'ailleurs. Voilà, trois catapultes, ça devrait suffire en vrai. Allez, on va voir. Au niveau de la démographie, on est premier partout sauf aux soldats, approbation et alphabétisation. Ouais. Alphabétisation, je comprends. Pas mal de retard en focusant la guilde, forcément. Donc je suis dernier. Tout simplement, dernier. Hein. C'est. Ah non, avant-dernier, 8e. Je suis en 9. Restant. Bon, c'est bien. Panama a réussi à se défendre, c'est une très bonne chose. Hein. Ça les a bien retardés, je pense. Du coup, au niveau de Babylone. Et je vais essayer de m'allier à Panama d'ailleurs. Archer composite, ouais, c'est bien ça. C'est vraiment comme des perles, purée, rien que ça quoi. Bon, Palenque qui est un peu trop dans la jungle pour faire quoi que ce soit pour l'instant. Lui est arrivé, ça c'est très bien, connexion urbaine établie, impeccable, on continue à faire nos champs. Un autre archer composite, et voilà, on a nos 4 catapultes. En même temps, il va en falloir hein, des catapultes, moi je vous le dis les gars. Alors j'ai vu que là, on a la case de teinture, on va y envoyer l'ouvrier, je voulais mettre là pour faire des fermes, mais... On va changer. 14 tours. Allez, 200 à 14 tours. Ok.
ça se déplace tranquillement. Là, il y a Orléans, il y a du vin à Orléans. Pur, ouais. Donc, mon âge d'or a pris fin. Plus 28 quand même. Par tour. Ah. Le campement qui est apparu vraiment à un endroit pas cool. En plein milieu là. Donc à Lyon je vais... Moi je voulais recruter mais au final non pas besoin. Hein. J'ai une unité qui apparaît bientôt. Putain, j'ai 25 d'or par tour, j'ai pas encore le Machu Picchu. Quand je vais avoir le Machu Picchu les gars, oh, ça va dérouler. On va faire des mines. Ça va être pas mal. Alors des guerriers, des unités corps à corps, ça j'ai pas encore. Heureusement ça prend pas longtemps. Ok, on va continuer, on va faire des champs normaux, cool. Alors on va développer Paris. Hein. On a bien pas mal développé Lyon, mais bon, faut quand même développer la capitale. Hein. 9 habitants quand même déjà, oh la vache. Bon, il va falloir accélérer. Ah, t'es lancé en plus. Bon, heureusement, les archers composites sont très efficaces. Comment on va arrêter les couleurs? Oh, c'est pas vrai. Bon, là, ils apparaissent tous d'un coup. On va y envoyer une deuxième unité, hein, du coup, d'archers composites. Il me semble que je vais en avoir. Incessamment sous peu. Ouais, 3 tours. Connaissance d'un personnage illustre. On va faire la grande muraille. Hop. Accélérer la production. On va y envoyer hop, lui là-bas. On continue avec des guerriers. On va continuer avec quelques guerriers. J'ai pas le choix pour prendre la ville. Il me faut des unités corps à corps. En plus, c'est bien ça. Ça absorbe les dégâts. Ok, impeccable. Population augmentée à Palenque, pourquoi pas. Je vais me faire pas mal de guerriers aussi là. Et là je vais commencer à les développer un peu quand même Palenque et Tikal, les pauvres, elles ont pris cher. Ok, encore 3 tours ici. 19 de Moroneur, c'est énorme. Et là je vais acheter des guerriers, voilà. Créer un petit pâturage, impeccable. Eux on avait dit on les envoie là, 6 tours hein, quand même. On va faire des colisées en prévision hein, quand même de petite baisse de bonheur. Hein. Il a quand même 3 villes mine de rien, il va falloir s'en méfier. Hop, tour suivant. Ah, une usine de sidérurgie. Ouais, il va falloir des ateliers par contre. Hein. Ok. Hop. Là, ça dit quoi? C'est la guilde des artistes, comme ça sera plus à faire. Ok, ok, ok. On veut des champs au sud. On va faire des champs au sud, du coup. Enfin, des terres libres au sud, hein, surtout. 10 tours, ah ouais. On a beau faire des routes, c'est loin. Hein. Imagine pas le temps que ça aurait pris sans les routes. Hein. Voilà. Démographie, ok, on est toujours 3ème. On va attendre là. Non, ici on fait ça. Il a déjà fini sa ferme, purée, ils vont vite hein. Ils vont vraiment vite, c'est bien hein, d'avoir les pyramides. Hein. C'est ouf. C'est tellement puissant en vrai. Tour suivant.
Voilà, je pense que là on n'est pas trop mal. Ouais, non, allez, c'est bon. Hop, faisons marcher, ce sera mieux. Ah, ça y est, on a les ponts. On va moins être ralenti. Effectivement, parce que bon, sans pont, qui route ou pas route, ça prenait du temps à traverser les unités. Enfin, les rivières, pardon. Ok, on va direction Zanzibar, ça nous rapporte un petit peu plus d'argent. Ouais, bon, voilà. Hein. Et je pense qu'on sera pas mal pour aller prendre Babylone. Ah, je peux faire une deuxième route commerciale. Voir que j'y pense au niveau de Paris. Ouais, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler, ça me fera gagner pas mal de tours. Hop, 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 hop. Voilà. Zoup là. Ce train-là, il me faudra 3-4 tours. Ah, il a une case. Pas mal de cases encore à Paris, mine de rien, où j'arrive. C'est fou. Faisons les champs. Et là, tour prochain, ce sera parti mon kiki. Comme je disais, je vais peut-être le faire en deux fois. Prendre Akkad et Dura. Kharigalzu. Ok. Voilà. Oh, je pourrais même faire une route. Je pourrais même commencer la route hein, vers Babylone, mais bon. Je serais un peu abusé là. Ah, Moyen Âge, ah oui, quand même, déjà. Ça avance vite, hein. Ok, tac. Voilà. On va prendre le campement ici. On va commencer à faire des fermes là, ce serait pas mal hein, quand même. Une caravane. Voilà, 21 par tour, c'est vraiment pas mal. Hein. Tour 190 là, j'ai pas trop de technologie, je suis pas très très bon en science, mais ce n'est pas grave. Là j'ai vu qu'il y avait, voilà, sûrement des barbares, on va y aller du coup sur les barbares. Tac, 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 on s'entasse un peu par là, hein. C'est pas bon. Colosse, ok. On est bien en retard là derrière. Hop là. Hop là. Hop là. Tac et tac. C'est mieux comme ça, je trouve. Lié à son unité spéciale. On va pas s'avancer plus que ça. Sinon on risque on sera à portée hein, même c'est pas risque, on sera à portée de ses unités de tir, donc ça c'est pas bon. Ok. Ok.
Tac. 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 Et tac. Là, on sera pas mal. Pouvoir collectif, j'ai oublié ça que j'avais encore des villes à fonder quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a une bonne petite ville à fonder là-bas. Allez, on va y aller. Personnage illustre, bon ingénieur. Hein. Quelle idée. Alors, on va faire un don. Ah, on n'a pas assez. Je voulais faire un don, mais apparemment on n'a pas encore assez. Ça attendra. Ah, il est un peu vide ce. Ah bah il n'y en a plus. C'est pour ça qu'il est vide. Ah, il fait bien. Allez. Là, il y a une unité de guerriers là qui est en pleine mer. C'est parfait. Il va se prendre des pierres. Hop. Oh. Comme à la bataille navale, touché, coulé. Ah, ce sont quoi, eux? Ce sont des... Des archers babyloniens. Ah, va falloir s'en méfier, alors. Va falloir s'en méfier. On va attendre un peu, on n'est pas pressé, ici. Là, je peux faire des mines, pourquoi pas. Bah, tout ça en état d'alerte, hein. On n'a pas besoin de se presser. Au pire, ils prendront quelques tirs, c'est pas bien grave. Pas bouger, toi. J'ai vu qu'il y avait des archers composites là-bas, impeccable. On est bien là en état d'alerte. Ça se trouve, il me proposera une paix en plus. Ok, il a perdu pas mal de vie. On va se retrancher jusqu'à guérison, on va utiliser, on va développer la religion. On reste comme ça. Tu vas là, toi, tu vas taper le prochain tour. Et voilà. On développe, on va faire les mosquées qui rapportent beaucoup de bonheur et textes religieux. Parfait. Ah, ouais, ça j'ai déjà fait. On va continuer. Comme ça, on va, même si je perds une petite unité de carry en plus, c'est pas grand-chose. C'est rien du tout. Ah, j'aurais pu aller ici au niveau de la forêt, j'avais pas vu. Je me suis fié aux frontières de la Grande Muraille. C'est pas grave. Alors, ils sont pas fait attaquer, ok, très bien. Ils ont reculé, sage décision. Tour prochain on pourra attaquer, on va voir pourquoi. Religion développée, ok, j'ai bien fait de développer rapidement. Ah, pour prévision d'avoir pris Babylone, on va faire un inquisiteur, comme ça on fera disparaître sa religion à lui. Panama, faire un don. Hop là! Voilà, comme ça Panama rentre en guerre avec Nabuchodonosor. Donc on va pouvoir l'attaquer maintenant. Cependant, voilà, ça fait déjà 1 heure, donc c'est ici qu'on va se laisser pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Un peu de suspense. Je vous propose de me retrouver dans les prochains jours pour le prochain épisode. Hein. Pas demain, mais dans quelques jours, très certainement. Allez, c'était Tium. Ciao!